Bonjour à tous, c'est Icar. Aujourd'hui, ça va être la review que j'ai longuement attendue pour la faire. Je vois que vous êtes aussi très nombreux à l'attendre. Trêve de bavardage et directement à l'action. Alors aujourd'hui, ça va être le test, la présentation du kit de chez Mancraft, le kit HPA pour le Striker Amoeba AS01. J'ai été sponsorisé par Mancraft pour tester ce produit et j'ai demandé donc le kit avec le nouveau régulateur et le kit adaptateur CO2. Voici l'emballage que j'ai reçu samedi dernier. Nous sommes donc lundi. Ah, bien sûr, j'ai mis quelques photos sur ma page Facebook que vous avez déjà vues, mais donc je l'ai ouvert de l'autre côté hein, pour garder l'aspect original du colis, donc bien emballé. Et à l'intérieur, ils font les choses bien parce que les petites boîtes rentrent parfaitement dedans. Donc nous avons deux petites boîtes de taille, on va dire, moyenne, une un peu plus lourde, celle-ci. Et pour finir, la plus grande. Voilà. Alors déjà, on va commencer par déballer chaque petit carton pour voir son contenu. On va commencer par celui-ci. Voilà. Alors, protégé par une petite mousse, nous avons l'adaptateur CO2. Alors, on va faire le point. Voilà. Donc, adaptateur CO2, qui se dévisse en deux parties. Alors, je vous expliquerai, mais en fait, cette partie-là va aller directement sur le régulateur, et celui-ci, c'est celui-ci qu'on dévissera lorsque nous aurons besoin de recharger en cartouche de CO2. Pour information, je ne le savais pas, hein, ce sont des abonnés qui me l'ont précisé. Sur l'ancien kit, il y avait un joint rose. Là, c'est un joint blanc en polyuréthane, donc plus résistant à la pression par rapport à l'ancien joint qui apparemment posait certains petits problèmes. Donc ça, nous verrons bien lors de l'installation. Donc voilà, le adaptateur CO2. Voilà. Nous allons poursuivre avec le régulateur. Pareil, hein, petite mousse. Voilà le régulateur. On refait le point. Voilà. Non, pas bon encore. Alors, voilà, c'est mieux. Donc le régulateur, pour mémoire, précédemment, le régulateur de chez Mancraft, avant celui-ci, était de couleur rouge, avait effectivement cette partie-là un peu plus fine, à peu près du diamètre de cette partie-là. Là, ici, nous avons bien sûr la commande pour ouvrir et fermer l'arrivée d'air. Là, on a le robinet, en fait, qui va accueillir la ligne d'air pour l'air comprimé. Ici, nous avons le nanomètre. Voilà. Alors, par contre, je ne sais pas, je ne me suis pas renseigné, je dirais, mais c'est ça aussi un peu les vidéos participatives. À cet endroit-là, bien précisément, il y a un tout petit trou avec comme un trou d'aiguille qui va dans le nanomètre. Je ne sais pas à quoi ça peut servir, donc je demanderai aux plus experts de me donner l'information ou de la noter sur les commentaires de cette vidéo. Voilà. Il est fourni avec ceci un petit sachet. Alors là, ici, il y a un joint, une petite vis hexacave, une petite plaquette en plastique, en métal et un gros gros ressort. Alors, je vais vous montrer ça, ce gros ressort, le gros ressort qui est ici avec la plaquette, c'était initialement à l'intérieur du kit. Voilà. Donc ça se démonte comme ça, vous voyez.
Et ici, ça se démonte aussi. Alors attendez, c'est un petit peu dur. Voilà. 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 Dans le petit sachet, il y avait ce petit, j'appelle ça une petite coupelle, et un ressort de taille réduite. Et un abonné m'a dit que c'était un power booster, tout du moins que ça ressemblait à un power booster. Alors, comme ça c'était dans le petit paquet et que ça me paraît effectivement plus, en termes de forme, hein, plus une réduction d'entrée des gaz que la petite plaquette ici et le ressort étant moins gros, je me suis dit, je peux me tromper, d'ailleurs on fera le test tout à l'heure, mais on verra bien si effectivement, c'est dans la description du produit sur le site Mancraft, on voit qu'on peut effectivement avoir des puissances plus basses qu'on avait effectivement auparavant. Il est même noté qu'on peut arriver à 415 fps en bi-020, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour justement pouvoir avoir une puissance réglementaire par rapport à la législation française. Ça me fait bafouiller, dès que je dis ce mot, ça me donne des boutons. Donc, qui nous limite à 2 joules. Voilà, donc j'espère qu'avec ce régulateur, on va pouvoir effectivement obtenir des puissances jouables dans notre cher pays. Voilà. Donc ça, bien sûr, nous y reviendrons plus tard, parce que le principal, ça va être le kit en lui-même, que voici. Le voilà. Donc on refait le point. Voilà. Et voilà. Donc le kit HPA Mancraft pour le AS01. Donc emballage dedans, nous avons un petit sachet avec bien huilé. Hein. Et c'est bien gras. On dirait presque, ouais, on dirait carrément que c'est un bain d'huile avec deux petits joints toriques. Des joints qu'on peut trouver, hein, je le dis, j'ai vérifié, hein, on peut trouver ça dans un magasin de bricolage, dans des assortiments de joints toriques, 5 de chaque, et ce genre de diamètre, vous les trouvez sans aucun problème dans des magasins de bricolage. Le fameux patch velcro donc pour Team Mancraft, j'en ai vu des verts, celui-ci est marron, enfin marron on va dire Dark Earth, plutôt sympa. Là c'est le ressort effectivement qui va aller dans le kit pour armer le piston, voilà, donc tout petit ressort relativement souple. Hein. Et là nous avons donc le kit avec un mètre de ligne flexible. Voilà, donc on se met ça de côté. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble le kit. Donc une finition, je dirais, sans faille. On a beau, j'ai vérifié, j'ai regardé, c'est extrêmement propre. Donc le kit se décompose en plusieurs parties. Ici vous avez la partie avec la tête de cylindre en inox. Voilà. Donc elle est un petit peu sale, ça va nécessiter un peu de nettoyage. Ici donc nous avons le kit cylindre en lui-même. Et ici, à cet endroit-là, voilà. Vous avez l'aiguille, moi j'appelle ça l'aiguille, voilà, j'appellerais ça l'aiguille, ils appellent ça, ouais, une aiguille, voilà. L'aiguille qui va effectivement amener l'air par ce petit trou ici, lors de l'armement, et libérer donc la puissance par ce trou. Voilà, alors je sais pas si ça se dévisse ici, ouais, ça se dévisse. Alors je le découvre vraiment en même temps que vous, parce que c'est, j'ai pas touché à tout en fait, lors de la réception, j'ai fait les photos, on en a un petit peu parlé sur Facebook. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Là, il y a un petit joint torique aussi. C'est bien lubrifié par contre. Hein, c'est loin d'être sec. Hein. C'est vraiment loin d'être sec.
Voilà. Avec des anneaux en matière synthétique, justement pour éviter comment dirais-je, pour que ça glisse le mieux possible dans le cylindre d'origine. Voilà. Donc c'est quand même une jolie petite cam, hein, c'est bien fini. Il n'y a pas de défaut, je veux dire, c'est vraiment très très propre. Donc ça inspire confiance, voilà, ça inspire confiance. Donc voilà, le seul truc que je pourrais regretter, même si ça fait un peu geek, c'est que j'aurais bien aimé qu'on voie le piston rouge de l'extérieur, quoi. Ça aurait fait bien cool, mais bon, c'est qu'un détail. En plus, c'est très personnel. J'aime bien un peu le côté flashy. Voilà. Donc là, effectivement, nous avons l'aiguille. Donc on va commencer à procéder au montage. Et donc il va falloir, en fait, pour insérer le kit, dévisser cette partie-là, qui a l'air assez chiante d'après ce que j'ai pu voir. Celui-ci, c'est une clé spéciale. J'ai une petite pince, je pense que je vais un petit peu galérer. Donc si ça dure un peu trop de temps, je couperai au montage, parce que ça sert strictement à rien de me voir galérer comme un âne pendant 10 minutes pour dévisser un boulon. Voilà. Donc écoutez, je vais placer le striker sur la table d'opération et on va commencer donc le montage en lui-même. Voilà, donc pour le montage, moi je vous conseille de virer la crosse, hein, parce que c'est plus simple et puis ça permet aussi d'avoir plus de facilité pour le montage. Donc on va y retirer donc le kit d'origine. Alors je vais vous donner, pour ça il y en a certains qui le savent, d'autres qui ne le savent peut-être pas. Vous savez, quand on va retirer le kit cylindre, normalement pour le remettre, il faut insérer un tournevis dedans à peu près à cette hauteur-là, abaisser le piston cire qui se trouve là et essayer tant bien que mal de le remettre. Bon, ça marche 9 fois sur 10, mais quand ça marche pas, il faut tout démonter. Donc dans le cas présent, quand vous faites ce genre de maintenance, bah, moi je vous conseille simplement de prendre la petite clé Allen qui est fournie avec, voyez-vous, et de dévisser en fait, non de visser, pardon, excusez-moi, de visser à fond pour faire descendre le piston cire. Voilà. Une fois que ceci est fait, eh ben, on fait sauter la goupille ici, on retire le cylindre, voilà, et comme ça vous n'avez plus après qu'à le remettre normalement. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, vous le remettez, voilà, sans vous emmerder, et vous revissez, vous dévissez la vis à fleur, juste à la limite ici pour avoir la bonne accroche. Moi c'est ce que je fais depuis toujours, j'ai jamais eu de soucis d'accroche. Je vous dirais qu'avec le piston d'origine, piston UAF, même combat, j'ai jamais eu de soucis. Voilà, donc ça pose des problèmes à certains. Je l'ai vu même de mes yeux vus. Donc, mais dans mon cas présent, ça n'a jamais posé de problème. Donc une fois que vous avez revissé à fond la petite vis ici, vous enlevez le cylindre. Ça pour le moment, on n'en a plus besoin. Et donc, on va s'occuper de démonter ceci. On se retrouve dans 2 minutes. Donc, alors, comme d'habitude, on desserre ça avec une clé. Et après, donc voilà, hein, pour mémoire, ma configuration, donc comme je l'avais montré déjà une fois, guide ressort d'AEG, légèrement, je dirais, taraudé ici pour que ça rentre dans l'insert du kit cylindre, le M130 de chez SHS, mon piston UAF, qui est vraiment génial. Enfin, c'est pas parce que c'est Sangohan et moi qui l'avons mis au point que je dis que c'est génial. C'est que vraiment, moi ça m'a apporté
des régularités de performance et de façon immédiate. Et donc là, la tête de Cyan que vous n'allez pas réutiliser avec le kit Minecraft. Voilà, donc tout ça, pour l'instant, c'est au rencard. Donc voilà, vous avez votre cylindre. Je vais un peu l'essuyer parce qu'il est dégueulasse. J'utilise cette huile-là, en fait, hein, pour graisser mon cylindre. C'est de l'huile qui vient de Pologne. C'est de l'huile silicone à forte viscosité. Donc, faut en mettre vraiment, mais deux gouttes. Hein, vraiment deux gouttes. Gros avantage, c'est que déjà, cette huile, comme beaucoup d'huile, elle ne sèche pas, mais celle-là a vraiment un pouvoir de glisse assez hallucinant. Vous pouvez trouver cette huile sur le site Taiwan Gun. Voilà, c'était juste la partie vite fait pour l'huile. Donc, votre kit cylindre, c'est bon. Maintenant, on va s'attarder là-dessus. Alors, dans un premier temps, faire un petit peu de place. Voilà. Donc, nous parlions tout à l'heure de l'aiguille. Donc, il y a cette vis-là à retirer, qui va servir bien sûr à rebloquer le kit. Alors vous voyez, c'est super graisseux. C'est, je sais pas si on voit là. Ouais, voilà. Vous voyez, c'est ça risque pas de rouiller. Hein. Il n'y a pas de souci. Et c'est une huile, voilà, silicone, mais on dirait presque la même que j'ai utilisée moi. Et mais d'ailleurs, je pense que c'est la même que Minecraft utilise. Hein, donc voilà. Donc c'était pas un hasard. Donc je vais essayer de retirer ceci. Voilà. Alors attention, hein, là il n'y a pas un axe, faut pas forcer là-dessus comme un bourrin, sinon vous la pétez. L'axe il est vraiment sur l'aiguille. Hein. D'accord. Donc ça c'est un truc, faudra faire un peu attention quand vous allez le remonter. D'ailleurs je vais faire attention quand je vais le remonter, parce que je dis vous, mais d'abord ça va être moi. Donc voilà. Alors, tout simplement, bon, bah, vous prenez votre aiguille, d'accord. De toute façon, il n'y a pas de sens, hein, voyez-vous, ici ou là, c'est exactement la même chose. Alors voilà, pour commencer, avant de commencer justement, tout à l'heure, je vous ai montré les petits joints qui sont fournis avec le kit. Alors, j'ai trouvé à quoi ils servent et où ils vont. C'est tout simplement au niveau de l'arrivée de l'air comprimé. Cette vis dont on parlait tout à l'heure, en fait, elle s'enlève assez facilement. Voilà, il y a une petite valve ici et il y a deux joints. Alors, on va essayer de faire le point là-dessus. Ça va pas être évident. Ça va être chaud. Je voudrais quand même vous le montrer. Non, ça veut pas. Bon, bah tant pis. Il y a deux petits joints ici de chaque côté. Et en fait, les deux joints qui sont fournis dans le kit servent à remplacer ces joints-là. Donc je pense que cette partie-là est à surveiller de temps en temps pour gérer justement tout ce qui est gestion de pression, tous ces machins-là. Voilà. Donc, ça, on y viendra après. Alors pour le montage, c'est très simple. Vous prenez votre ressort. Alors il n'est pas discontinu. Hein. Il est exactement pareil des deux côtés, donc il n'y a pas de sens. Vous le mettez sur le guide que j'appelle l'aiguille. Vous mettez l'aiguille à l'intérieur du piston. Voilà. Ok. Une fois que vous avez fait ça, alors vous ouvrez bien sûr toujours votre culasse hein, pour avoir plus de place pour visser. Et vous allez insérer, voilà, le kit. Voilà, vous voyez, ici et là. Voilà, tout simplement. Une fois que ceci est fait, vous prenez la tête de cylindre qui est fournie avec. Et vous revissez. Voilà, la petite clé qui va bien.
Le trou est un peu plus gros que celui d'origine. On va le faire à la main, c'est pas grave. Voilà. Bien, bien serré comme il faut. Voilà. Bon, au niveau du poids, ça change tout, hein. Entre ça qui pèse rien et ça qui pèse une tonne, ça alourdit un petit peu le système. Donc voilà, vous voyez, le piston est à l'intérieur. Les deux pas de vis sont aux bons endroits. Donc maintenant, il ne reste plus à qu'à faire un peu de place. Et à replacer le tout dedans. Alors voilà, vous prenez l'ensemble, voilà. Allez, c'est la petite touche sur le côté qui gêne. Voilà, voilà. Voilà, là on est bien placé. Ici il y a la petite vis, donc on va s'empresser de la mettre en premier. Tournevis plat. C'est pas super en face. Hop. Je vais le mettre comme ça. Ça va être plus simple. Voilà. Voilà, c'est bien mieux comme ça. Voilà. Une fois ceci fait, on passe de l'autre côté. Voilà. Et on va passer donc l'entrée de la ligne ici. Donc là, au début, je pense que le mieux, c'est d'y aller à la main. C'est bien ce que j'avais prévu. En fait, il faudra une petite clé à pipe là pour visser ce truc-là. Sinon, ça va être galère. Donc, je vais chercher une clé à pipe.